Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Les images que je vous présente là, ce sont les images de votre king, conseiller depuis Yaoundéré. Vous savez que les jeux universitaires se passent de ce côté-là. Et comme vous pouvez voir là, Malox est présentement à Yaoundéré pour soutenir MTN, que tout le peuple depuis crie pour ce problème des prix et des enchères. Mais le gars nous nague pour une seconde fois. Chose que le général Valsero n'a pas digéré. Je vous prie d'écouter ce morceau choisi et je vous reviens juste après. Bienvenue à la clinique Malox. Je veux même t'appeler comme les gars t'appellent quand ils sont fâchés. Bienvenue à la clinique Kemfak. Tu avais besoin d'aller montrer tes fesses, frère. Je te jure, regarde-toi. J'étais toujours pris pour quelqu'un d'intelligent, Malox. J'étais toujours pris pour un petit gars du ghetto, un peu intelligent, qui connaît faire la part des choses. Mais je crois que tu as fini par te prendre pour ce que tu n'es pas, frère. Parce que là, en fait, tu es dans ta vraie posture. Je t'ai vu gueuler sur les Camerounais en disant ils font la mauvaise stratégie pour revendiquer qu'on baisse le prix d'Internet. Tu t'es foutu de leur gueule. Oh, ils font ceci. Oh, tu t'es mis à rendre ça. Tu t'es mis à leur gueuler dessus. Je me suis dit, bon, peut-être que Malox a une stratégie plus importante. Tu as commencé à nous amener des histoires de l'ART, machin, truc, tout ça. Et t'es dit que frère, ne parle pas le langage des choses que tu ne connais pas. Ne parle pas le langage avec le vocabulaire que ton vocabulaire ne peut pas intégrer. Quitte sur ces choses. Mais là, tu vois ce que ces gars d'MTN sont en train de te faire. Ils sont en train de t'humilier. Tu vois ce qui se passe? En fait, là, ils t'utilisent pour narguer le peuple. Tu vois ce qu'ils sont en train de faire, les mecs d'MTN, là, non? Ils t'utilisent pour narguer le peuple. Tu es un instrument entre les mains de ces gens pour insulter la souffrance du peuple. La question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que tu ne le vois pas? Est-ce que tu ne vois pas qu'ils te manipulent pour insulter l'indignation collective? Est-ce que tu ne vois pas que tu es en train d'être traité comme pas une pute? Parce que un waka a encore plus de respect. On ne prend pas un waka. Personne n'a jamais pris un waka. Il est parti poser dans la rue tout nu, déshabillé. Mais ce que ces gars sont en train de te faire, ils sont en train de te déshabiller dans la rue. Mon frère Malox, regarde-toi. Et tu vois bien le commentaire qu'ils ont fait. Ils ont dit que Malox, il est déjà là. Le gars avait ses fans et tout. Tant, ils t'ont mis. Alors qu'ils savent très bien qu'en ce moment, tes fans ne sont pas contents. Que tes fans ne sont pas contents. Comment vous arrivez toujours à penser à vous? Toujours à vous avant de penser au peuple. Voilà des enfants qui mettent qui souffrent tous les jours pour que toi, tu vendes ta bière, pour que toi, tu sois, pour tes likes, ils payent des tonnes et des tonnes. Les enfants payent. Et tu es utilisé pour venir te moquer de la souffrance de ces enfants quand ils trouvent que on leur facture le plaisir de te regarder trop cher. Quand les enfants trouvent qu'on leur facture le téléchargement de tes chansons trop cher. Quand les enfants se plaignent que trop de dièses hashtag trop cher. Au lieu que tu prennes le bâton de pèlerin pour protéger ta fanbase, pour protéger le portefeuille de tes followers, pour protéger le portefeuille de ton peuple, tu préfères être l'instrument utilisé. Tu préfères être l'instrument utilisé pour humilier et bafouer l'indignation collective. Parce que là, tu vois, ils se servent de toi, Malox. Ils se servent de toi. Ils ont découvert que la limite de ta réflexion est petite. Ils ont découvert la limite de ta réflexion. Ils ont décidé de t'exposer. Parce que là, tu es exposé. Hein? Tu es exposé sur le marché. Vraiment, c'est malheureux. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Est-ce que vous comprenez un peu? C'était juste un morceau choisi. C'est trop long, hein?
Oui. J'ai regardé cette vidéo, ça m'a touché particulièrement. Franchement, à un moment donné, arrêtons de nous moquer du peuple. Arrêtons de nous moquer de ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Arrêtons l'ingratitude. Après, tu vas les entendre se moquer de que celle-là allait entrer avec la grossesse, sortir avec l'enveloppe. Celle-là est allée est devenue folle parce qu'elle prend l'argent à X ou à Y. Celle-là est montée, est descendue. Celle-là s'est déshabillée parce qu'elle veut aller à Dubaï. Grand frère, ce que toi-même tu fais là, c'est quoi? Ce que toi-même tu fais là, c'est quoi? Donc le combat contre le boycott depuis là, c'était le cachet que tu calculais derrière MTN alors. En tout cas, le peuple a compris. Après, vous allez venir voir des. Je vais aussi appliquer les mots, les ting-ting. C'est comme ça qu'ils appellent le peuple, non? Le ting-ting, c'est les ting-ting, c'est quoi? Vous allez venir les voir, venir me dire ici là que tu vaux tel, tu vaux ceci, tu veux. C'est ça que vous me demandez de falloir pas ça. Vous allez que la vie, c'est seulement l'argent. La vie, c'est ça. Il y a la dignité qui est plus importante dans la vie d'un homme que l'argent. Oui. Il y a la dignité. La dignité. Quand tu marches, on te respecte. On te donne la valeur. Que d'être riche, tu marches, on te prend comme un chien. Un chiffon. Un petit chiffon. Tu marches, tu passes, on crache. Ne peut pas être ce genre de personne-là. Que tu vaux tel. Tu vaux ceci. Tu veux ça. Valoir quoi? Ce que je vois là. Que le peuple pleure, qu'on souffre, le peuple pleure de leur souffrance. Tu viens te moquer du peuple qui souffre parce que toi tu veux manger, tu ne penses pas aux gens qui souffrent. C'est du n'importe quoi, les amis. C'est du n'importe quoi. Ne faites pas ça dans vos vies. Ne faites pas ça. Tout ça est vanité. On va mourir, laisser tous ces biens qu'on bagarre, machin, tout ça. Même dans la Bible, c'est écrit aime ton prochain comme toi-même. Donc, si toi, tu bagasses seulement pour tes propres intérêts, franchement, ça ne vaut pas la peine. Donc, arrêtez de me dire que Franco, tu es petit, ça, il est plus minable devant moi. Quand je vois ce genre de bassesse, ce genre de connerie, il est plus minable. On dit indignation collective. Parlons, soyons ensemble pour défendre nos causes, pour que les prix des choses baissent. Mais quelqu'un se lève un matin et vous dit, allez à l'arrêter. Parce que quand toi, on t'a appelé de venir bavader à Gaoundéré comme ça, là, tu n'as pas demandé que l'arrêter. Gars, moi, ça me dépasse même d'avoir. Vraiment, bon, les amis, faites comme moi. Regardez, ça c'est ma carte de lecteur. Tout ce que je peux vous dire, les amis, nous avons besoin vraiment du changement. Vraiment, les Camerounais, ça ne vaut pas la peine. On veut le changement. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Hein? Faites comme Franco Le Mignon. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Pour le changement. Vraiment. J'espère que vous avez compris. Passez une bonne journée. Hein? Et n'oubliez pas de faire ce que je vous demande de faire là, les amis. Il y a les points d'inscription passés dans tous les carrefours. Quand vous passez là, prenez un peu 5 minutes. Prenez votre carte d'électeur. Faut vraiment que les choses changent, les gars. Partagez-moi cette vidéo. C'était le général Franco. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Hein. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.